Alors c'est quoi? C'est le Türkiye. Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Ukrayna'ya. Qui c'est ce monsieur? C'est président Kurt. Kurt, il s'appelle comment? Abdullah Öcalan. Ah, c'est lui, d'accord. Et à quoi ça sert une salle? Ah, faut aller voir le patron, il est là-bas. Ah, mais allez. Est-ce que vous ne pouvez pas parler? Mais qu'est-ce qu'elle parle, le crack, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous pouvez venir voir des films sur ce sujet-là. C'est un festival sur la rétention des étrangers sans papier quand ils sont arrêtés. Ils sont mis en prison et après ils sont mis dans des avions pour retourner chez eux. Voilà. Et donc ça... Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Qu'est-ce qu'il y a dans le tract? Ah ben dans le tract, il dit que le 1er mai, c'est la fête des travailleurs au niveau international. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on prépare la révolution. Comment? Eh bien, d'abord, il faut construire un parti révolutionnaire. Oh, si tu attends à construire le parti, on sera tous morts. Alors, ce que je te propose, c'est d'utiliser déjà le parti qui est là. Ben oui, mais ce parti-là, qui s'appelle le Parti communiste français, je crois, il est plus révolutionnaire. Mais il va le devenir avec les événements, là. Peut-être bien, mais en attendant... On n'attend pas. Ah. Et je te donnerai le communisme à la française, mon chat. Comment ils passent? C'est gratuit. C'est quoi?
C'est le journal des intérimaires. Donc là-dedans, vous avez toutes les informations concernant l'intérim, tout ce que les nouvelles lois vont détruire au niveau social pour les intérimaires. Oui, tout ça est vrai, mais si on ne s'organise pas tous ensemble... Justement, on s'organisera dans les syndicats. Ce sont les syndicats qui vont organiser la lutte avec les employés. Ah c'est bon pas le reste, c'est les syndicats. Ah bon, il n'y aura pas les coordinations, vous allez entendre les syndicats. Bon, ben, attendez, moi, je ne veux pas gérer le nazisme financier qui est qui là. Oui, c'est là. Bon. Alors, quelle est la solution? C'est la mobilisation du corps social, c'est l'union de tous les travailleurs pour mettre fin à l'austérité. Et tu es enseignant, toi? Pardon? Tu es enseignant? Non, je suis étudiant, moi. Alors, ils vont donner une petite idée aux profs. Il faut qu'ils fassent grève des examens. Exactement, non, c'est vrai. Ouais. Bonne journée. Vous aussi. Vous en voulez un bras? Je l'ai déjà le gars. Le 1er mai, solidarité avec les travailleurs en lutte. Ah oui? C'est pas la fête du travail, surtout pas. C'est la fête des travailleurs qui sont en lutte partout dans le monde. Yeah. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vois bien ce que je fais, mais je ne t'entends pas. Dis-moi bonjour plutôt. Le muguet du parti, qui n'a pas son bras de muguet? Demandez le muguet du parti. Qui n'a pas son bras de muguet? Le muguet du parti. Bientôt, il n'y en a plus. Le muguet. Allez, le muguet du parti. Qui veut un petit bras? Demandez le muguet du parti communiste. Qui a le petit bras? Qui n'a pas son bras de muguet? Demandez le muguet du parti. Qui n'a pas son bras de muguet?
sérieux. Avec lui, je ne sais pas combien de photos tu as avec lui. Populaire et révolutionnaire.
de l'argent. C'est que Yann, qui est un militant syndicaliste, il s'est fait virer par la direction pour activité syndicale lors des grèves qui a eu lieu dans le 92. C'est pas arrivé depuis 1951. Ça vaut le coup de signer la pétition et d'être présent le 5 mai prochain devant le ministère de l'économie à 18h. C'est où ça? C'est à Bercy. Donc si ça vous intéresse, c'est au chapiteau là. Ça vaut le coup de signer, parce qu'à partir du moment où ils gagnent sur ce plan-là, ils vont multiplier les cas, ils sont à l'offensive pour arrêter ça. Ils vont passer à l'offensive. Quel coup je filme? Comment? Quel coup je filme ça? Syndicaliste à la poste, Yann Le Maire, tout simplement pour le fait d'avoir organisé des assemblées générales dans le cadre d'une grève, pris la parole, a été révoqué ce qui ne s'était pas vu depuis 1951. Ne restons pas sans rien faire, mobilisons-nous, c'est très important. Il y a deux pétitions à signer, l'une pour Yann Le Maire et l'autre pour Gaëtan étudiant à Toulouse, le Mirail, et qui a été condamné à 2 mois de prison ferme pour simplement avoir manifesté suite à l'assassinat de Rémi Fraisse. Il est en attente de passer devant le juge d'application des peines. Signez les deux pétitions, c'est extrêmement important, et merci aux camarades de Carrefour Market qui sont en bagarre et qui sont en grève. Merci à vous. C'est important de signer la pétition contre la révocation de Yann Le Maire, syndicaliste à la poste, qui a été révoqué pour avoir organisé des prises de parole de l'Assemblée Générale. Ne restez pas sans rien faire. Le 5 mai, rassemblement devant le ministère de l'Économie à 18h. Il y a également une seconde pétition à signer pour Gaëtan, étudiant à Toulouse de Mirail, et qui a été condamné à 2 mois de prison ferme. 2 mois de prison ferme simplement pour avoir manifesté suite à l'assassinat de Rémi Fraisse. Il est en attente de passer devant le juge d'application des peines. Ne restons pas sans rien faire. Signez la pétition, il y en a plusieurs sur la table, à la fois pour Gaëtan, à la fois pour Yann Le Maire. Yann Le Maire, syndicaliste à la poste, et qui a été révoqué pour des faits syndicaux, assemblée générale, prise de parole, suite à un conflit, une grève à l'ancienne. Ne restons pas sans rien faire. Signez la pétition, merci à vous. Et il y a également un rassemblement qui est prévu mardi prochain. Action pour notre droit à manifester, pour notre droit à nous organiser. Attendez Macron, c'est dans la rue, ça se passe, c'est pas dans les solaires. Macron, c'est le temps, on te coule dans nos ghettos. Macron, c'est le temps, on te coule dans nos ghettos. Macron, c'est le temps. Il a incroyable transparencia de tout que dit la presencia. Fuerte sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Sobre este primavera para la
Oui. En Bulgarie, et ça m'a beaucoup plu l'endroit. Il y avait une forêt et à l'intérieur il y avait des bâtiments très beaux. Il y avait même un restaurant qui tourne jusqu'à maintenant, mais c'était, on m'a dit que c'était la période socialiste et que c'était pas cher du tout. Tout le monde venait en famille s'amuser, les étudiants venaient, alors que maintenant c'est transformé, c'est devenu de plus en plus cher. Et voilà. C'est les pionniers de l'époque. Bah, voilà. Moi j'étais là-bas. Ah, bah, voilà. Et c'était magnifique. Magnifique. C'est les Balkans dans la mer. Exactement. Si tu es allé là où j'étais pionnière, moi. Ouais. Bravo. En tout cas, ça m'a plu beaucoup, moi. Et j'ai un ami qui va toutes les années à Primorsko. Voilà. Voilà, toutes les années. Allez, vive la Bulgarie. Vive la Bulgarie. Je te dis pas que c'est exactement la même position, mais ça nous dit. Il me semble. Non? De quoi vous discutez si tranquillement? Non. Dans ces moments aussi. Thank you.
le capitalisme, tu vois. Sans rêve. Le capitalisme, c'est la crise, c'est la misère, c'est le chômage. Et la révolution... Et ça coûte très cher avec la société, c'est vrai. Donc, la révolution coûte moins cher. Bien sûr, et qu'on s'en débarrassera voilà. De ces parasites, là. Parasites. On va être organisé, hein. Il y en a assez, assez. Ce gouvernement de votre combat. Au service du patronat. Il y en a assez, assez.
Macron, loi des patrons. Loi Macron, loi des patrons. Loi Macron, loi des patrons. Loi Macron, loi des patrons. Qui sème la misère, récolte la colère. Révolution sociale et libertaire. Qui sème la misère, récolte la colère. Révolution sociale et libertaire. Loi Macron, loi des patrons. 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 Qui sème la misère, récolte la colère. Révolution sociale et libertaire. Patron. Démocratie directe, autogestion. Contre la loi du fric et des patrons. Démocratie directe, autogestion. Contre la loi du fric et des patrons. Démocratie directe, autogestion. Contre la loi du fric et des patrons. Démocratie directe, autogestion. Contre la loi du fric et des patrons. Démocratie directe, autogestion. Pour les patrons. Les patrons, licenciés. Licenciés, les patrons. Contre la loi du fric. De l'argent pour étudier, pas pour les actionnaires, pas pour les financiers, et pas pour faire la guerre. De l'argent dans des profits, liberté d'exploiter. Non, 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 à la loi des patrons. Croissance des profits, liberté d'exploiter. Et non, 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 à la loi des patrons. Croissance des profits, liberté d'exploiter. Et non, 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 à la loi des patrons. La nuit et le dimanche, c'est pas pour travailler, c'est pas pour se trouver, c'est pour se retrouver. Indépendante.